Bonsoir les amis, bon début de week-end, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, bon le rhume, toujours bien présent, mais voilà, je suis en train de faire ma petite marche de la soirée. Donc faut savoir que je fais mes 6 km par jour. Et donc en fin de journée, eh bien après la journée, je viens marcher. Je suis actuellement sur le Ravel entre Gembloux et Sombreffe. Alors, vous êtes nombreux à me poser des questions. J'ai eu beaucoup de questions, notamment de la part d'une seule et même personne, et merci d'ailleurs à elle de m'avoir posé toutes ces questions. Je vais prendre le temps, bien sûr, d'y répondre, vous inquiétez pas. Sinon, j'ai eu aussi des questions un peu farfelues. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, en fait, si c'était dangereux de grimper à un poteau ou un pylône à haute tension, ou moyenne tension d'ailleurs. Alors, vous voyez ce qu'il y a juste à côté de moi? Ce que vous voyez là, bien sûr, il y a l'éolienne, mais là, c'est une ligne en fait 20 000 volts. Donc déjà là, si vous y grimpez et que vous vous approchez à moins de 11 cm du câble, ben, c'est terminé pour vous. Donc effectivement, pour répondre à cette question qui me paraît un peu tordue, oui, c'est dangereux, il faut pas. Je sais pas, à mon avis, soit ce gars-là a posé la question parce qu'il voulait sous de moi. Soit il a un gros problème, mais en tout cas, je déconseille fortement de monter sur des pylônes à haute tension, des poteaux, parce que tout simplement, ben, vous mettez votre vie en danger réel. C'est un danger de mort, hein, réel, hein. Donc voilà. Donc faites vraiment gaffe quand vous voyez ça. Ça veut dire pas touche. Et si vous voyez ces câbles-là à terre, ben, vous n'y touchez certainement pas. Là, vous vous en éloignez au moins de 3 à 4 mètres et vous appelez évidemment bien les services compétents, les sociétés compétentes en France, en suivant que ce soit de la très haute tension ou de la haute tension. Là, c'est RTE. Si c'est de la moyenne tension et basse tension, eh bien c'est Enedis. Pour chez nous en Belgique, si c'est de la très haute tension, là c'est Elia que vous devez appeler. Si c'est de la moyenne tension ou de la basse tension, suivant la région dans laquelle vous vous trouvez en Belgique, eh bien, vous devez appeler soit Torres, Sibelga, Reza. Voilà, il y a plusieurs en fait sociétés en fonction des provinces. Voilà. Écoutez, la lune m'accompagne aussi ce soir. Je vais bientôt arriver. Il me reste encore grosso modo un petit 2 km à parcourir. Et je pourrai reprendre ma voiture. Allez, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.